maintenant. Je pense qu'on ressort du match avec pas mal de regrets. Voilà, je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Après, j'ai pas revu les images, mais je pense qu'on n'a pas été aidé par l'arbitrage aussi. Sur le premier, le coup franc, j'ai l'impression que c'est lui qui fait faute sur moi et non l'inverse. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage. On aurait aimé marquer ce petit but pour qui aurait fait du bien aussi. Je pense qu'on avait les occasions pour. Après, c'est comme ça, c'est dommage. On va bien récupérer pour aller à Montpellier avec l'intention de rapporter 3 points. Ouais, en première mi-temps, on a été les chercher haut, on les a pressés, on a essayé de les mettre à la faute. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, on a des occasions. Je pense qu'il faudra revoir, mais on aurait dû faire d'autres possibilités. Mais c'est comme ça, c'est dommage d'avoir pris 3-0. Maintenant, je pense que dans l'ensemble, on a quand même fait un bon match, on a montré une belle image de Saint-Etienne. Déjà, on va penser à dimanche Montpellier, et puis après, on fera le retour, on jouera à fond, de toute façon, on n'aura rien à perdre. Voilà, tout foot, tout c'est possible, maintenant on sait que ça sera très compliqué. Mais on va jouer, on va mouiller le maillot, et pour nos supporters, voilà, on va montrer une belle image de Saint-Etienne, et en espérant au moins gagner ce match pour ses supporters. Après, ils ont augmenté le rythme de jeu aussi. Ils ont fait rentrer un numéro 10 qui nous a un peu embêté dans notre dos. Et voilà, après, quand t'as les remplaçants qui rentrent et qui vont à 10 000, c'est compliqué aussi. On a essayé de faire le maximum, voilà, c'est dommage.